Le Seigneur m'a entendu. Il m'a pris en pitié. Le Seigneur est venu à mon aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous sommes encore en début de carême. Demandons au Seigneur de nous assister dans nos efforts à vouloir faire pénitence, nous convertir davantage et grandir dans la connaissance de notre Seigneur. Commençons par nous tourner vers la miséricorde du Père. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ce temps de pénitence qui vient de commencer, afin que la discipline imposée à notre corps soit aussi pratiquée d'un cœur sincère. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu, crie à pleine gorge, ne te retiens pas, que s'élève ta voix comme le cor. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu, il me demande des ordonnances justes. Il voudrait que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires. Et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et en querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau et de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, pour ne pas te dérober à ton semblable? Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, « Me voici ». Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas de l'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur sera avec vous. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le disciple de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant, « Pourquoi alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit, les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le jeûne est une des activités recommandées en ce temps de carême. D'ailleurs, le mercredi des cendres dans l'Évangile, toujours selon saint Matthieu, le Seigneur nous invitait à faire l'aumône, à jeûner, mais aussi à prier. Alors aujourd'hui, les lectures sont concentrées sur le jeûne uniquement. Cela nous permet d'approfondir sa signification et de faire un examen de conscience pour savoir où nous en sommes dans notre souci de vouloir rencontrer Jésus au désert et de jeûner avec lui. Commençons avec la lecture d'Isaïe qui a servi de première lecture. Cela montre bien ce que Dieu attend de ses âmes, ce que Dieu attend de ses enfants. L'exemple est très clair dans la première lecture. Voici un peuple qui jeûne. Alors, les enfants d'Israël, alors qu'ils jeûnaient, ils vivaient en conflit les uns les autres. Peut-on vraiment jeûner et en même temps créer de la difficulté aux autres, vivre des conflits interminables, vivre des tensions, être à la source de la dépression chez les autres? Et entre-temps, on est en train de jeûner. Alors le Seigneur recommande son prophète Isaïe d'aller auprès de son peuple, dit, mais non, ça c'est pas le jeûne dont il a besoin, parce que ce jeûne-là, eh bien, il n'apporte rien au cœur des gens, il n'apporte rien à l'intérieur des personnes. Il dit, mais le jeûne que moi je désire, moi, votre Dieu, c'est que tu t'ouvres davantage à l'autre, c'est que tu accueilles le pauvre dans ta maison, dans ton cœur, que tu viennes en aide
aux personnes qui sont les plus démunies, les personnes qui sont dans le besoin, que tu puisses te préoccuper de la liberté des opprimés, que ton esprit repose sur les personnes, les sans-voix, qui ont besoin d'aide pour le soutenir dans la vie. Donc, il y a une pratique concrète qui accompagne le jeûne. Donc, on ne jeûne pas juste pour jeûner. En fait, on jeûne, c'est vrai qu'on peut prendre différentes mesures, différentes sortes d'entente, n'est-ce pas, en famille ou avec des amis, ou comment on veut procéder pour le jeûne, qu'est-ce qu'on veut mettre de côté. Mais l'essentiel est de donner une certaine discipline dans notre corps. On part du corps, on se donne une discipline pour que ce que nous privons, ce que nous allons voir au corps, puisse nous aider à atteindre notre cœur, pour que notre cœur puisse se changer, puisse se transformer, puisse s'impliquer davantage dans la vie de communion avec Dieu. Donc, en fait, le vrai jeûne nous rapproche davantage de Dieu, nous rapproche davantage de l'autre, nous rapproche davantage de l'amour pour Dieu et de l'amour pour le prochain. La même chose, c'est pratiquement la même logique dans l'Évangile d'aujourd'hui. Et j'aime beaucoup le Seigneur parce qu'on dirait qu'il vient nous aider à approfondir davantage la signification du jeûne en nous invitant à aller à son origine. Voilà que, de son vivant, les pharisiens et les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient. Mais par contre, les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Alors les autres sont intrigués, ils posent la question, n'est-ce pas, au maître, mais tes apôtres, tes disciples ne jeûnent pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Regardez comment le Seigneur répond. L'époux qui organise la fête, qui a des invités, qui a des amis qui viennent pour son mariage, eh bien, quand il est là, tout le monde festoie, tout le monde est heureux, tout le monde boit, tout le monde mange. Pourquoi? Parce que l'époux est là. C'est l'époux qui est en fait au cœur de la célébration du mariage. Et le Seigneur ajoute, quand l'époux vous sera enlevé, l'époux c'est le Christ lui-même, à ce moment-là, les disciples vont jeûner. Comme pour dire, quand l'époux manque, quand nous sommes dans le besoin, quand nous voulons davantage vivre l'amour avec Dieu et qu'on ne peut pas le faire, nous jeûnons. Parce qu'il y a un manque, alors nous le faisons. Regardez, à supposer que nous arrivons au ciel, on ne va pas jeûner. On est avec Dieu, on est avec, ce n'est pas l'amour par excellence, on fait ça, on est heureux, on ne va pas jeûner. Alors le Seigneur, dans ce sens, c'est là qu'il dit, lui le Christ est là avec ses disciples, eh bien il montre la voie à suivre. Ce n'est pas le moment de se priver des choses, c'est le moment de l'écouter, le moment d'avancer dans la vie. Quand il est parti, il sera enlevé, parce qu'il nous manque, alors nous nous débrouillons, alors nous jeûnons, alors nous nous privons de tant de choses en vue de préparer sa venue, en vue de vivre cette vie de communion maintenant avec lui, maintenant qu'il est absent physiquement dans nos vies. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur, chacun, chacune pour soi, que nous prenions l'habitude de jeûner. Suivant notre spiritualité, regarde ce que tu peux faire dans ta vie, regarde ce que tu peux couper dans ta cuisine, regarde ce que tu fais pour justement donner une discipline au corps en vue d'aller plus loin, d'atteindre le cœur, d'atteindre l'esprit, pour que le geste que tu poses puisse te faire grandir davantage dans le souci des autres. Par exemple, quelqu'un peut se priver, on ne mange pas, mais pour rester en communion avec les personnes qui ne mangent pas, les personnes qui mangent moins, et on souffre de faim en communion, et cela nous conduit à plus de prières, plus de rapprochement, par exemple. Donc, ce qui est important, c'est nous tourner aujourd'hui vers le Seigneur par sa parole, par son esprit qui nous éclaire davantage pour venir à la vraie signification du jeûne. Nous jeûnons pour grandir dans l'amour. Nous jeûnons pour améliorer notre monde d'aujourd'hui. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te représentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dans les pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous pour ton sacrifice en ce jour, pour grâce devant toi. Pardonne de nos fautes, Seigneur, purifie-nous pour nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, que le sacrifice offert en ce temps où nous pratiquons le carême nous rende agréable à tes yeux et nous aide à nous montrer plus empressés dans le renoncement. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux que notre jeûne et nos privations répriment nos penchants mauvais, élèvent nos esprits et nous donnent la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Christ Jésus-Christ notre Seigneur, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémi, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu. Qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Amen. Nous venons de recevoir le Seigneur dans nos cœurs. Prenons quelques instants de silence et de prière. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Fais-moi connaître ta route. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Tout-Puissant, par notre participation à ce mystère,
nous avons été purifiés de tous nos péchés. Puissions-nous vivre en accord avec la guérison reçue de ta grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu de miséricorde, que ton peuple ne cesse de rendre grâce par tes merveilles, et qu'au terme de son pèlerinage sur la terre, fidèle aux observances transmises d'âge en âge, il puisse te combler sans fin, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.